18 mois après le décès de Martin Aristide Okuda, ancien président du conseil d'administration de la Société commerciale de banque SCB Cameroun en avril 2021, cet établissement bancaire vient de lui trouver un remplaçant. Il s'agit de Daniel Ndiankou Lamer. Il a été désigné ce jeudi 27 octobre 2022 au terme d'une session du conseil d'administration de la banque tenue en visioconférence. Ce dernier est un érudit du secteur de la finance. Il cumule d'inestimables états de service dans ce secteur. Il a été notamment gouverneur suppléant pour le Cameroun à la Banque africaine de développement en abrégé BAD et à la Banque mondiale. Elle a été également directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, un établissement public en charge du service de la dette de l'État du Cameroun, puis directeur adjoint du Trésor. Le natif de Foumban, dans le département du Nounou, région de l'Ouest, est un peu produit de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Il a notamment exercé au sein du gouvernement camerounais entre 2003 et 2007 et y a occupé des fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances en charge des programmes. La Société commerciale de banque SCB Cameroun est une filiale du groupe marocain Atijaofa Bank qui détient 51% des actions de l'entreprise, tandis que l'État du Cameroun en détient 49%. La banque dispose de plus de 210 clients et est présente dans 28 villes dans les 10 régions du pays, avec 55 agences, dont 2 centres d'affaires et 2 banques privées, sans oublier 110 guichets automatiques. Bon vent à M. Ndiankou Lamer.